Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, j'espère que vous portez bien, que l'année commence en douceur, en quiétude. Alors merci pour votre confiance à l'égard de ces rendez-vous mensuels, que vous soyez là depuis très longtemps ou de façon spontanée, vous rendez cette aventure possible. Alors pour les plus anciens, voilà, je vous renouvelle ma gratitude en ce début d'année. Merci de suivre tout simplement mes partages, les enseignements, parce que ce ne sont pas mes enseignements, mais ceux de nos frères et sœurs galactiques. Et puis voilà, de nos maîtres d'ascension, de toutes les belles lumières qui assistent à notre ascension planétaire. Alors je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 janvier, de bon matin, donc vous entendrez très certainement les oiseaux. J'ai ouvert un peu les fenêtres, voilà, il y a un air assez frais. Donc voilà, je me suis entourée de ces énergies matinales pour enregistrer cette conférence. Alors j'aimerais bien évidemment vous souhaiter une très belle année 2024. On va bien évidemment en parler de cette année. J'ai reçu il y a quelques jours de cela des sujets à aborder avec vous. Bien évidemment, il y a peut-être d'autres choses qui vont venir entre-temps. Donc j'ai reçu « S'ancrer dans l'axe de son âme et dans l'énergie de 2024 »,« Compréhension de la clôture karmique pour ce début d'année », Alignement au plan divin et à sa mission de vie, soins d'harmonisation pour le groupe et mise à jour quantique avec les énergies des maîtres, intégration du code vibratoire 888, code de l'année 2024, et guidance pour les 3 prochains mois. Donc ça, c'est ce que vraiment j'ai reçu il y a quelques jours. Comme d'habitude, hein, je me laisse complètement guider. On va suivre cette trame-là pour le sujet d'aujourd'hui, en ayant ça comme pour direction, on va dire, mais on va se laisser aussi guider et on va laisser les fluides de la lumière s'imprimer. Alors, pour démarrer cette conférence, j'aimerais me brancher sur... vous voyez, j'ai même pas envie d'aller dans l'ordre. Là, intuitivement, ça me dit « va sur compréhension de la clôture karmique pour ce début d'année ». Alors, dans cette idée, vous voyez, de démarrer une nouvelle année, il faut comprendre qu'on vient quand même de terminer un cycle d'un an. Et ça, c'est pas rien. J'aimerais qu'on prenne le temps de se poser et juste de réaliser qu'on vient de vivre une année. Juste on prend conscience. J'ai vécu une année 2023. J'ai traversé les énergies de cette année 2023. Et avant de commencer un nouveau cycle, eh bien nous sommes invités à nous arrêter sur ce temps qu'a été 2023. Alors vous voyez, je ressens les maîtres déjà en pleine présence là tout autour de nous. Quand vous allez écouter en tout cas cette vidéo, ils seront autour de vous, ils sont dans ce partage. Et il nous invite à un temps d'harmonisation. Ça fait partie aussi du soin, des soins d'harmonisation que nous allons recevoir. Il nous invite à fermer les yeux. Alors on va avoir les oiseaux qui nous accompagnent, c'est génial. À décroiser les jambes. Et puis voilà, à se brancher simplement à cette année, à cette entité qui a été 2023. Et
et on regarde tout ce qu'on a été, pas forcément ce qu'on a fait. C'est ok hein, s'il y a des choses qu'on a fait qui arrivent à la conscience, mais c'est surtout tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a traversé. On laisse venir tout ce qui vient en sensation, en émotion, en image. On peut voilà, mettre son attention sur ce qui a été difficile, douloureux, challengeant. Et regarder ça avec beaucoup de tendresse, comme si on était un guide spirituel à l'égard de notre propre vie. Voilà, on prend le temps de respirer avec ça, de s'arrêter sur son existence. Et puis aussi d'observer les choses qui ont été plus joyeuses, plus heureuses, les bénédictions qu'on a reçues, les grâces, les rencontres, l'amour partagé avec nos proches, nos animaux, nos enfants, nos parents. Voilà. Et puis on peut aussi aller se regarder soi-même, son soi de 2023. Comment notre personnage a vécu ce temps qu'a été 2023? Est-ce que ça a été un temps plus de contraction, de contracture? D'implication dans les enseignements, dans la lumière, sans jugement. Regardons notre nous du passé, parce que ça fait déjà partie du passé. Et on peut peut-être lui dire simplement merci. Voilà. Je te remercie. On peut se dire ça. Je te remercie parce que cette entité du passé, eh bien, c'est une part de nous et on peut la tutoyer. Et on peut se dire, je me remercie de revenir à l'instant présent maintenant. On inspire et on revient tranquillement. Mettez pause si vous avez besoin. Voilà comment j'aime démarrer une nouvelle année. En ayant beaucoup de compassion, de tendresse à l'égard de tout ce que j'ai vécu. J'aime aborder le nouvel an de cette manière. Qu'est-ce que le nouvel an ? Voyez, dans le nouvel an, il y a le nouvel an, mais pas le nouvel an A-N, le nouvel an E-N, comme si c'était quelque chose qui était en nous. Nouvel an. Ça nous parle fondamentalement d'un renouveau à l'intérieur de nous, d'une nouvelle fréquence, d'une nouvelle énergie. Et en ce moment, Dieu que les énergies, les vents solaires, les forces de la lumière coulent à travers nous et nous renouvellent aussi à chaque jour.
Mais on peut aussi prendre cette conscience que le mois de janvier est le premier mois de l'année où on enclenche. Retrouvez l'intégralité de cette conférence sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Vous verrez qu'il y a deux façons de se procurer ce contenu. Une première formule à la carte a été pensée pour toutes les personnes souhaitant bénéficier de mes travaux de façon spontanée. Vous recevrez votre lien par mail et le replay sera toujours actif et en tout temps. Une deuxième formule existe pour les personnes souhaitant s'abonner et participer au programme de soutien à l'ascension que j'ai créé en mai 2022. Vous y retrouverez l'ensemble de mes travaux, podcasts, bonus et autres interventions. Guidance personnalisée et autres ressources gratuites sont proposées également sur mon site. Merci et à bientôt sur les ondes.